L'idée, c'était de partir sur un portrait simple, comme les idées que véhiculait Farhat Rached, de le représenter d'une manière minimaliste, moderne, la plus simple possible, garder le côté brut qui correspondait vraiment et qui correspond encore vraiment au personnage. Tout le travail était effectué à la bombe. D'une manière assez expressive, dans le sens où c'était pas la technique ni du pochoir ni un remplissage, c'était plus un truc assez gestuel. C'est un personnage du peuple qui s'adresse au peuple, d'où le choix du noir et blanc sur un fond brut, pas d'artifice, pas de couleur. Et le fait de représenter ce portrait à grande échelle, on va dire, à Paris même, ça représente beaucoup de choses pour moi et pour la plupart des Tunisiens. Ces idées, elles sont encore actuelles et modernes. Et la Tunisie en a un grand besoin. L'inauguration de la place Farhat Rached, fondateur de l'Union Générale Tunisienne du Travail. Assassiné le 5 décembre 1952 pour l'indépendance de la Tunisie. Cela est tout un symbole de voir l'avenue de France commencer d'un côté avec l'avenue Permanès France et s'achever avec la place Farhat Rached. Nous avons ici le symbole du lien entre le résistant décolonisateur et le résistant à la colonisation. Cette avenue, cette place sont l'incarnation matérielle d'une France qui se réconcilie avec son passé. Farhat Rached est chez lui, comme le peuple tunisien est chez lui à Paris, que surtout ce moment soit un moment d'unité. Et concluez ses discours par ces mots simples, au peuple je t'aime, comme cela est rappelé sur la presse. Merci. Dobro.